Bon les amis, je suis trop content. Alors je sors de la vidéo invocation, j'ai posé le Bob, il est juste là. Et on est parti jouer Kid Buu 8 étoiles. Il y a moyen que ça devienne mon personnage préféré. À force, Kid Buu va réussir à devenir mon personnage préféré. Vous allez voir, je vais prendre trop de plaisir à le jouer. Il va me donner le sourire, il va vous donner le sourire à travers l'écran. C'est un personnage qui est trop cool à jouer. Alors pas affronter, ça c'est clair. Mais à jouer, j'adore ce personnage. Et vous allez voir qu'on va réussir à faire des belles choses. Et pour toutes les personnes qui disent, oh le perso dans la méta végétaux, c'est impossible. Ce n'est pas impossible, vous allez voir, je pense que ça va vous surprendre. Mais en tout cas, on va le jouer en régénération. Je vous ai sorti une petite team régénération un peu ça, que j'avais jamais showcase pour l'occasion. Et vous allez kiffer. Alors pourquoi? Premièrement, on va le jouer avec Cell. Oui, on va le jouer avec nouveau Cell qui offre un support, je rappelle, pour les régènes, donc ça marche très bien. Et également avec Zamasu qui va nous servir de bleu, de tank et de... c'est celui qui va se prendre les Rising Rush en gros, ça, certainement. Même s'il y a quand même Cell qui pourrait lui mourir dessus et s'autodétruire. C'est pour ça que ça laisse le champ libre derrière à Kid Buu. Autre chose, pourquoi c'est très spécifiquement incroyable? Parce que regardez, il y a un nouvel item qui est sorti. Et ce nouvel item qui est sorti, je l'ai eu d'une telle manière que ça va donner un sacré up à Kid Buu en plus de ça dans cette vidéo. Déjà, on a double dev jusqu'à 18%. C'est le nouvel équipement éveillé qui est dans le marché du Time Rush actuellement. Il vient de sortir mercredi. Donc allez le farmer si vous voulez le farmer. Ok, ensuite l'autre de 8 à 16%, on est à 13-40 en attaque physique, donc c'est plutôt pas mal. En plus de ça, pour Kid Buu, attaque physique c'est parfait. Mais on a surtout eu 5,5 d'attaque physique pure par combattant de l'équipe régénération. Et du coup, ça donne au personnage en régène enfin un item pur. Pourquoi? Parce qu'il y a un item pur régène qui existe dans le jeu pour les strikes, hein, et ça existe. Malheureusement, vu que Kid Buu il est de type... il est type, je me rappelle jamais, c'est défense, le perso est type défense, vu qu'il est pas strike, il a pas accès à cet item pur là, et c'est très dommage, parce que c'est un item de Janemba pur à, je crois c'est 5%, bah là au moins il en a un à 6%, donc vous allez voir que le perso là dessus, mais du coup il va se frotter les mains, il va se régaler. En plus on a son item à lui, qui est vraiment très cool, strike, force, et def regen de force, donc c'est parfait. Et le dernier item, alors, est un peu plus contestable, et je comprends, mais c'est parce qu'il y a de la force, de l'attaque physique et de l'attaque physique pure, dans le même principe en fait de là. Donc on aura double item pur sur le personnage d'attaque strike. Ça risque d'être très vénère, c'est parti. Allez, pour démarrer, double rouge pour nous mettre un peu de bâton dans les roues. Ça joue le Taxiborg, donc va falloir faire attention au Rising Rush du Taxiborg et de Végéto. Double rouge pour commencer le showcase. On pouvait pas rêver mieux pour Kid Buu, c'est parfait, let's go. Allez, c'est parti. La terreur, comme on l'appelle. Ok, il cover là-dessus. Alors attention, il peut passer sur 18 aussi. Et là, c'est parti. C'est parti pour lui, mais là, la grosse force qu'on a, c'est qu'on a Zamasu. Et Zamasu va être un régal. Ça va lui donner, je pense, envie de partir sur 18, donc tant mieux. Ok, parfait. Bien joué, en plus, il a pas strike derrière. Et Zamasu qui fait un merveilleux travail ici. Et vous voyez ce qu'on a en main, les amis. Vous voyez ce qu'on a en main. Vous le voyez, vous le savez. Bien sûr qu'on va aller chercher. On se demande quand est-ce qu'il va quand même arrêter de taper, là. On va switch un peu, on va se retourner à la team, quand même. Ok. On va quand même la lock ici, hein. Ciao. Ciao 18. Lock. Mais arrête de déco, c'est pas beau ce que tu fais. Bon bah je vais vous montrer quand même ce qui allait se passer. Ici c'était lock. Kill. Et après là on va voir un peu les dégâts. Regardez bien, un full combo sur Végéto, on va voir un peu. Regardez bien. On a déjà qui est à l'infini, j'ai l'impression. Bon, je vais arrêter là, je vais rasing, bah, je vais changer de game mais pff. Ah bah c'est ce genre de match-up là,
on va se frotter les mains ici. Voilà, double violet, c'est intéressant. Alors attention hein, de pas se faire avoir parce que Freezer qui nous spé sur Kid Buu, on devrait pas kiffer. Mais encore une fois, regardez bien le soin. Et Kid Buu, c'est un des personnages du jeu, je l'ai dit et redit, qui mérite le plus d'étoiles du jeu. Pourquoi? Parce que son soin est stupide quand tu l'as 14 étoiles. Tu te soignes 300 000 par carte, t'as 3,6 millions d'HP. Enfin, c'est intuable, honnêtement, c'est intuable. Bon, allez, on est parti les gars, let's go. Allez, repose-toi mon Kid Buu, repose-toi, rigole. Oui, tu peux te moquer de la gueule des adversaires. Tu peux te foutre de leur gueule, tu ne risques rien, mon ami. Oh, évidemment. Oh, vous avez les dégâts? Je crois qu'on va bien rigoler. Je sens qu'on va beaucoup rire. Vas-y, frappe-moi, j'aime ça. Ah là 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 là, j'adore. J'adore ce qui se passe. Enfin, ne détournez pas ce que je dis, mais en vrai, j'adore. Double open save dans la team là. Si. Alors là, je vais vous expliquer après. Voilà. C'est trop fort ce qui vient de se passer, c'est trop fort. Je vous explique. En gros, là, s'il switch pas, je le lock et je le tue. Il le sait, je pense. Donc il est obligé de switch. Mais vu qu'il est obligé de switch, je peux le rising. C'était trop fort à ce moment-là. Et j'avais l'anti-cover sur la gueule. Trop fort. Vraiment, de toute façon, c'est incroyable. Vraiment, s'il n'y avait pas Végéto, c'est le meilleur perso du jeu. S'il n'y a pas Végéto à 14 toi, c'est le meilleur perso du jeu pour moi. Mais vraiment, j'ai envie d'invoquer toute ma vie dessus. J'ai envie d'avoir 14 et jouer avec lui tout le temps. C'est ce genre de perso, ça me donne envie de jouer au jeu. Il est obligé de switch, hein, il était mort. Encore une fois, la mécanique du log, ouais, j'en ai déjà parlé. Hein. Non, mais on va le ridiculiser à ce point-là, l'adversaire. Non, à ce point, carrément. T'as tout mon respect l'adversaire. Mais il est trop cheaté sa mère. Non mais vraiment, il est cheaté Kid Buu. Il est sur-cheaté. C'est un délire. Vraiment c'est un délire. Mais pourquoi personne le joue? Ok, mais t'as Végéto ce que vous voulez, y'a pas de galère, vous allez voir. Il est trop fort, vraiment. 1700 bonne équipe. Comment c'est possible d'en arriver là? Bon bah justement Végéto. Et petit Végéto, ça va, Végéto 12 étoiles. Je vais pas vous dire que c'est une bonne nouvelle pour nous, hein. Je vais pas en venir là, mais bon, faut faire gaffe quand même, évidemment. Bon, Kid Buu, tu nous as fait une de ces masterclass pour l'instant, on est obligé de te respecter un peu là quand même. Ce qui est bien, c'est vraiment avoir double open save dans la team, en plus d'avoir Zamasu qui génère des vertes, franchement c'est un banger. Allez, on le gratte. Hein. Non, j'aime trop ce qui se passe, j'aime trop. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Végéto? Il va soigner. Qu'est-ce que tu fais? Bon, après, pour lui mettre des dégâts, c'est une autre chose, par contre. Hein. Ça, c'est l'autre problème. T'es mal. Bon, par contre, il lui met 0 dégâts, c'est un délire à 12 étoiles. Non, mais arrêtez ça, par contre. Non, il y a un moment, je vais me faire ban, là. On est reparti pour le show. J'espère que vous êtes chaud. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, Kid Buu est chaud. Il doit péter son crâne en face. Ah, ça y est. La balade, c'est la balade, Kid Buu heureux.
Non, vraiment, c'est infernal. Il est trop cheaté, le perso. C'est un délire. J'adore ça. Ah, comment ça me carry les open save. Je suis pas très bon au jeu, mais alors les open save, ça me carry bien comme il faut. Il y a aucun perso dans le jeu qui m'a carry autant que Kid Buu. T'as rien à faire. Verte, 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 verte et verte. Puis c'est bon, t'as gagné. En plus, avec celle qui s'autodétruit, il y a un délire. C'est vraiment pas mal. Bien joué, ça. Dommage. N'a pas de verte, comment je vais faire pour gagner la game sans carte verte? J'allais dire, est-ce qu'on se laissait pas autodétruire, mais absolument pas. On va voir si Rising déjà, voilà, parfait. Attendez, parce que là, ce qu'on apprend, c'est énervé. Hein. Je me concentre un peu parce que c'est pas gagné. Hein. Évidemment, c'est loin d'être gagné. Regardez bien, vous êtes prêts? Ah, c'est pour vous celui-là. C'est parti! Kid Buu-san! Et là, il est trop dans la merde. Là, il est trop dans la merde. Et ouais, d'accord, ah ouais? Ah bon? Non, Kid Buu, il est injouable, Kid Buu, il est injouable. Jouez les teams qu'il faut aussi! Non, mais oh, jouez les teams qu'il faut aussi! Vous êtes mauvais au jeu, c'est tout! Il est trop fort ce perso, il est trop cheaté. Mais juste au bout de 12 étoiles, on l'a pas vu de la game. Merci à Zamasu aussi. Non, la team est trop forte. Ok, c'est parti les amis, face à Végéto. Végéto, encore un de plus. J'adore, je, franchement. Open, genre, vraiment, je mets Kid Buu que pour les open safe. Mais ça lui va tellement à ravir. D'ailleurs, t'as anti-cover tout le temps. C'est anti-cover de 10 secondes, c'est tellement long en plus. Oh, tu peux rien faire. Ah là là, je me suis pris d'affection pour ce personnage. C'est vraiment, je suis désolé, mais c'est trop quoi. Vous l'avez vu la merde, ça veut dire derrière, bon. Allez. Ce qui est trop cool en vrai, c'est que là, le cut de Kid Zamasu, du coup, il s'en va. Ah, du sien, je parle. Et là, attendez. Ah, oh, je suis en train de réfléchir. Ah, oh, qu'est-ce que je vais faire face à son Zamasu? Oh, qu'est-ce que je peux bien... Il a peur ou quoi? Faut pas avoir peur, frérot. Regardez, il est obligé de mettre Végéto parce qu'il sait qu'on va le stun. Il sait qu'on va le lock, pardon. J'ai trop envie de tenter un truc. Regardez, move de génie. Vous êtes prêts? On lock, hein. Ah, ça, c'est trop fort. Alors là, je me lève. Ça, c'est trop fort ce qui vient de se passer. Pourquoi? Parce qu'il est lock ici. Donc, il peut pas switch. Et s'il a pas le rising, bah, bon, vous avez compris. C'est trop fort. Vraiment, c'est trop fort. Son Végéto s'est fait pipi dessus. Regardez les dégâts. Regardez les dégâts qu'il met pas. Oh, j'ai vraiment ce sentiment de... Ouais, de team regen, là, ça fait plaisir. Et après c'est pas gagné parce que regardez, on a pas fait un taf immense sur sa team hein. Surtout qu'on a perdu le Rising au final. C'est avec celle qu'on voit aller open safe. Et celle il a aucun problème pour faire très mal aussi hein. On va rentrer dans le moment où on va pouvoir prendre les kills avec l'Hog de Kid Buu là. Ça va bientôt arriver. Oh, si en plus on stun, je vous explique pas le délire. Je vous explique, dans la team, on a la possibilité de stun. Hein. Avec celle. Mais en fait, ce qu'ils vont en bas, c'est que s'il me surprend pas, il y aura Zamasu à chaque fois. Hein. Et Zamasu, tant qu'il a pas de verte, il pourra pas le tuer. J'ai compris ce que t'essayais de faire depuis tout à l'heure, frérot. Mais c'est mort. Il est obligé de faire... Regardez, il est obligé de tenter des plays bizarres pour revenir au bout de la game. C'est... Non, c'est terrifiant pour lui. Et là, s'il part sur Goku, je mets Kid Buu. La team est trop forte.
Oh, je suis désolé, mais je trouve ça trop fort. Je trouve que c'est trop fort. Regen, c'est trop sous-côté Regen. Avec le nouveau sel, c'est un délire. Mais les dégâts AOE. Regarde les dégâts qu'on a mis sur. Oh là là, les dégâts qu'on a mis sur le tag. Alors ça, c'est merveilleux aussi. Drop. Alors là, on a de la luck, hein, parce que drop la verte ici, c'est très chanceux. Hein. Regarde, dégâts de sel. Non, la team, elle est grave. La team, elle est gravissime. Je vous ai trouvé une team, les potes. Je la trouve vraiment hyper forte. Et je mens pas, hein. Regardez mes points. C'est toutes des games à la suite. Hein. Donc, y a pas de problème. Ouais. Ah non, c'est Kid Bouillet Étoile, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Ça me donne envie de tellement réinvoquer, vous imaginez même pas. Allez, on va continuer, mais... Bon, pour l'instant, Végéto, ça a été notre petit toutou. Ça fait plaisir de le promener en laisse avec un personnage jaune. Alors là, en face, là, c'est cool. Parce que d'habitude, quand je croisais ça, vu que j'avais 5 étoiles, j'étais à peine au-dessus en termes d'étoiles. Un peu quasiment équivalent ou un truc comme ça. Là, je suis plus du tout en étoile équivalente parce que là, on est 8 étoiles et en face, c'est 3 étoiles. La cap Z, du coup, elle est devenue bien, bien, bien meilleure. Dégâts de spé en plus de ça, c'est parfait. Non, franchement. Ah, ça change tout, tout, tout. Je vais pouvoir rejouer Kid Buu. Je suis trop, trop, trop heureux. Ok. Et là, encore une fois, ce que j'allais vous dire, bon, on n'a pas eu besoin, mais ce qui est trop fort à ce moment-là, c'est que au grand même, vous prenez la cover de Végéto, vous en foutez, quoi. Ok. Il tient, là, Végéto ? Bienvenue vite. Bienvenue vite. On va juste péter tranquillement ici. On avait le lock, mais bon, c'est pas hyper utile là. Allez les gars, combien? Bah forcément c'est 3 étonnants, mais Kid Buu, il est incroyable. Lock. Récupération de TP, destruction de carte, il est mort. Main ulti. Ah, il aurait du main ulti ici. Après, parce que là, maintenant, on a Zamasu. Il a pas le choix de me le rasing. Hein. On a encore une verte. On a deux survies au KO. Non, la team, c'est grave. Hein. Il 5 étoiles le Végéto, je crois, donc ça se comprend. Continue. Et ben franchement, s'il y avait bien une chance que je perde, dans cette vidéo, bon, je peux perdre, hein, je sais pas, voilà. Bah c'était bien en affrontant notre Kid Buu, hein. C'est bien ça le problème. Et je suis bien content qu'on le voit ce perso parce qu'il le mérite cruellement qu'on le revoie dans ladder. Et ça va être difficile de se retenir d'invoquer pour vous et moi après avoir fait et vu cette vidéo parce que... impressionnant. Bon, je vous dis, ça va être la game la plus compliquée qu'on aura, je pense, à réaliser aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, parce que honnêtement, Kid Buu c'est fort, donc l'affronter c'est pas une super bonne nouvelle. En fait, il va nous mettre ce qu'on lui fait, quoi. En tout cas, c'est rigolo, sa team, en vrai, là. Après, équipement régène, il proc un peu moins, quand même. Kid Buu qui met malus de vitesse de pioche, n'empêche que ça, par contre, c'est fort contre Végéto, par exemple. Parfait. De toute façon, nous, on va verte ici, hein. Je pense que les vertes, c'est pas hyper important de les faire avec Zamasu, pour le coup. Putain, il avait encore une autre verte. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'il a regagné du ki. Il
Allez, on va lui détruire les cartes. On va lui enlever sa jauge aussi. Il est fort, Kibo, vraiment. Gardez son soin. Vous avez vu, j'ai mis une spé là, ça servait à rien. J'ai littéralement mis une spé qui sert à rien. Allez, on va rising ici. On va rising ici parce que faut prendre survie. Il y a deux survies au cas où en face. Aïe aïe aïe. Donc là en plus il m'enlève ma jauge. Je suis quand même. Bien joué. Ok, là ça devrait être le rising. De son côté, la différence c'est que lui il peut me tuer, moi je peux pas. En vrai, si on peut, les gars, le rising on donne celle. Hein. On donne celle ici. Je préfère largement donner celle là-dessus. On va mettre la verte. Je préfère largement donner celle. Ok. Pourquoi donner celle? Parce que on va avoir vraiment besoin de la survie de Zamasu pour tanker Végidon. Alors que celle on pourra pas malheureusement. Bah, par contre, il va falloir faire tous les kills. Enlever les deux survies avec Kid Buu, hein. La game va être d'une longueur. Là, on va voir si celle a vraiment son intérêt ou pas. Allez, une survie d'enlever déjà. Allez. Donc là, il va nous enlever la jauge. Mais on va aussi se soigner. Kid Buu revient plus rapidement. Ok, j'ai eu peur de la verte ici. Alors, si je me loupe pas et que ça lag pas, normalement ici, Végéto n'est pas dispo. Ou alors un truc que j'ai pas compris. Ok, on lock son main ici. C'est acharné, mais Kid Buu est tellement fort. Je lui dis, y a aucun personne de ma boxe qui me carry comme ça. C'est... Attention. Là, c'est le moment où on est. Voilà, mais Zamasu peut revenir. Hein. Parfait. Faut qu'il vise le deuxième rising s'il veut gagner la game. Et après, il peut avoir le deuxième rising là-dessus. Hein. Et bien, une petite erreur là qui va coûter peut-être très cher. Parce qu'ici, je voulais backdash, esquive, mais mon perso est resté sur place. Rising normalement là je pense. Putain le Végéto. Il veut me détruire les cartes donc il veut me détruire la verte. Putain fils. J'avais la game en fait. Je voulais pas verte avec Zamasu parce que pour moi je tuais pas. Je voulais reculer. Ah, il allait attaquer esquive carte verte. Mais j'ai pas pu. On a gagné. On a la jauge, on a gagné. De toute façon, on aurait pu rising, mais on en aura même pas besoin, je pense, honnêtement. Regardez ça, on a 4. Regardez combien j'ai de ki. J'ai 86 de ki après 4 cartes. Bon, je vous avais dit que ça serait la game la plus compliquée. Mais on a bien fait de perdre celle. C'est exactement la chose à faire. On a joué à la perfection et... Bah, il y a des mois, je suis content, voilà. C'est parce que je joue bien, parce que ça marche bien et parce que le perso est totalement broken. On se dit à très vite, les gars, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.